Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Malco. Voici le deuxième épisode de cette série sur le festival de charité organisé ici à Bantay à l'occasion de l'événement Malco. C'est parti. 17h15 du côté de Bantay, les différents stands de street food commencent à s'installer. Autour de l'espace dédié au concert. Hello, sawadika. Quand je vous dis qu'il y a toutes les générations. Sawadika. Me baby. Baby sway. Tout à l'heure, tous ces stands seront envahis de personnes. Alors j'en profite, sawadika, pour faire un petit passage pour vous montrer l'installation, sawadika, les sushis, ah j'adore les sushis, les insectes, sawadika. Des mêmes maisons apparemment. Voilà un marché de street food vraiment traditionnel. On a même du canard, des abats. Ah, ça c'est plus rare, ce sont des fruits. La mise en table a commencé pour la première soirée. Et on voit Kunta qui est en train de prendre un élément de décoration. Et regardez, ça y est, l'oikro est pratiquement terminé parce qu'au dernier moment, je sais qu'ils ajoutent toujours tout un tas de décorations. Ça y est, soyez, hein. Soyez makmak, hein. Ouais. C'est vraiment un bon travail. Les musiciens vont pas tarder à commencer les balances. Et tout le monde installe petit à petit des différents équipements. La régie son et lumière est prête également. Ici, c'est donc le véhicule qui sera équipé grâce à vos dons. Des dons supplémentaires sont d'ailleurs possibles directement sur place. Sur cette scène, il y aura un spectacle de feu. Ça va les cas? Et dans ce coin, le bar est presque prêt également. Là, il y a des centaines et des centaines de tables et de chaises supplémentaires qui seront nécessaires plutôt pour la soirée de demain soir, qui va être une soirée importante avec 4 ou 5 groupes de musique différents. C'est le moment du concert et c'est le moment du marché de street food ici à Bantay à l'occasion de l'événement L'Oikro. Si vous n'avez pas encore acheté le t-shirt de l'événement qui est présenté ici, eh bien vous pouvez vous adresser à cette table, la toute première table qui se trouve à côté de l'entrée. Donc le prix du t-shirt est de 380 bahts et il donne droit également à l'entrée au concert de demain. Oh,
événement traditionnel qui attire toute la communauté thaïlandaise de Koh Samui. Il y a énormément de monde qui arrive, pas seulement les villageois de Pantai. Il est environ 19h, il y a déjà beaucoup de monde, donc vous voyez les gens passent au marché, puis ils viennent s'installer ici, commandent à boire, ils s'installent, il y a quelques étrangers qui sont là aussi, c'est la chanson de Koh Samui. Thank you.
teman-teman. Teman-teman ini ต้องมาให้ครับที่ทางกําลังนะครับที่กําลังเป็นคนวัดเลยโหยครับนะครับเราตัดไปเลยนะดูหน้าเลยลูกดูหน้าเลยจริงก็ว่าไงก็จะเป็นเลยนะของผมโอเคไม่เป็นไร La première soirée était plutôt une soirée traditionnelle, un peu ambiance kermesse, avec la participation de l'école de l'Emhoy. Ne manquez pas la troisième partie de l'Oikro, il s'agira de la cérémonie l'Oikro, qui consiste en une cérémonie bouddhiste suivie de la mise à l'eau de l'embarcation de fortune. À demain, merci.